La Première Nation Mi'kmaq de l'Istigouge n'a signalé aucun cas de COVID-19. Les points de contrôle fonctionnent. Lorsque des agents du ministère des Pêches et des Océans ont pénétré dans la communauté, Paul Jacques, le superviseur du point de contrôle, s'est rapidement rendu sur les lieux. He said he is coming in to check the boats, to see if there's any nets on the boats, and to see if there's any salmon on the boats. I told him there's no nets on the boats and there's no salmon because nobody's fishing. There's nobody fishing here, fishing for salmon. Monsieur Jacques se souvient avoir vu des agents dans la communauté lors de la crise du saumon de 1981. À cette époque, la Sûreté de Québec est entrée dans la communauté pour empêcher les Mi'kmaq de pêcher le saumon sur la rivière Restigouche, une vieille blessure qui n'a jamais été oubliée. C'est pourquoi Mr. Jacques a annoncé aux agents du MPO qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans la communauté. The DFO Canada knows that. They're not allowed in this community, although it's their jurisdiction, but it's not their jurisdiction. This is our territory, it's our lands, our community. Nobody's allowed in here if you're not invited. Le chef et le conseil de l'Istigouge ont déclaré, dans un avis à la communauté, que les agents du MPO avaient besoin de l'accord de la communauté pour pénétrer dans l'Istigouge et que celui-ci n'a jamais été donné. Le chef Darcy Gray a fait les déclarations suivantes à APTN. So we've been managing our own river here for quite some time, and we have our own community law. And the DFO coming in without permission is a violation of our law and our jurisdiction. Les agents ont quitté la communauté après que M. Jacques leur ait demandé de partir. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle Nationale d'APTN, Halifax.